Bon, les amis, on se retrouve sur une toute nouvelle vidéo aujourd'hui. C'est avec grand plaisir que je vous fais cette vidéo. Alors, on va se retrouver en pleine ville, en street fishing. Essayer de faire du fish, du black bass. Alors, en fait, j'aimerais bien essayer de faire un gros black bass. Parce que ces derniers temps, c'est vrai que j'ai beaucoup fait de black bass de 20 à 25. Donc, c'est pas vraiment la folie quoi. Mais ça reste ce genre du poisson. Moi, je cherchais vraiment le gros black bass de 40 en moins, tu vois. C'est vraiment le mieux quoi. Donc franchement là on est dans un décor vraiment atypique parce que vous me voyez souvent en ce moment dans ce type de décor là. J'apprends à faire du street fishing, j'en ai jamais, j'étais plus pêché en rivière, en canal, enfin des choses comme ça. Mais là on est dans ce port. C'est vraiment incroyable. Incroyable, incroyable. Des décors, vous voyez, je retourne la caméra. On a des écluses, on a des parties métalliques, des structures en béton, on a vraiment de tout. On a des herbiers partout. Vous voyez, la bolle, c'est plein à craquer. Ici, il y a une belle concentration de vif. Qui se met à chaque fois. Chaque fois que je viens, chaque fois je vois plein de vifs traîner. Et là, on a un déversoir à moitié d'eau de chaque côté. De chaque côté de l'écluse. Et en fait ça apporte de l'oxygène au poisson. Donc comme le courant il vient comme ça, il va de là-bas à là, les petits poissons, eux, sont redirigés vers l'écluse, qui se trouve contre la paroi. Et les black bass, les perches, les carnassiers viennent choper tout ça, y compris le cendre. Donc voilà, c'est vraiment un endroit vraiment pas mal à pêcher. Sans plus attendre, on va aller se faire un petit coup de pêche. On a une matinée pour se faire la pêche, pour se faire un beau black bass, une belle perche et plus si infinité. On va bien voir les amis. Allez, à tout sur la vidéo. Thank you.
Là je vais tenter de pêcher vite fait avec le petit rock vibe de Scolori là, avec un petit shutterbait, on va voir. Il y a une belle petite zone là à prospecter. On va voir que ça. Petit black bass, impeccable. Enfin, c'est vraiment un petit black bass, mais en vrai, ça fait toujours plaisir de prendre un petit black bass comme ça. Ils sont tout beau, tout mignon. Allez hop, on mise à l'eau. Tac, et ça repart. Toujours la même taille, c'est pas le poisson recherché, mais ça fait toujours plaisir. Prends une petite photo d'ailleurs. Ouais, hop, tête en avant, dégâts. Bon les gars, je viens de louper un fish, je sais pas c'était quoi mais c'était énorme, laisse tomber, je sais même pas c'était quoi, ça devait être poisson qui devait faire au moins 80 cm je pense, que vu la touche que j'ai eue, c'était un truc de fou. Donc voilà, j'essaie de retenter, voir si je peux pas essayer de le rattraper. Longtemps j'ai pas pris de perche, ça fait bien plaisir. C'est un petit rock vibe en
3 pouces et demi. Pierre de 15. Toute mignonne, imbégable. Magnifique la couleur. Une belle couleur rouge, imbégable. Et ouais, j'ai fait ça sur un montage en drop shot. Je vais vous montrer tout de suite. Hop, petite remise de la perche. Attendez, je vais remettre le voir. Pour éviter qu'après viennent ses copines. Hop, putain, là il y a le bateau. Tac, tac, tac. Là, ça va pas être trop mal. Hop, impeccable. Pile poil, bien retombé. C'est bon ça. Là du coup le montage que j'ai utilisé c'est ça. C'est un petit hameçon wacky normal avec un petit plomb comme ça au bout. Et franchement un petit en dandinant et ça donne bien. Dégoûté, il est parti le poisson. Ah, poisson. Non. Ah, dégoûté, encore perdu. Ah, en plus c'était une belle perche, c'est dégoûté. Voilà, celle-là va partir, je suis sûr. Oh le big bass. Oh qu'est-ce que je suis content. Putain. Oh mon de Dieu. Le big bass. Nom de Dieu, nom de Dieu. Moi je m'y attendais pas à celui-ci. Sur la technique que je vous ai montré tout à l'heure. Regardez-moi ce gros bass. Oh laisse tomber. Il est énorme. Je sais pas comment il fait. J'ai pas de truc pour le mesurer. Et tout ce que je sais, c'est que je vais prendre un petit repère et je vais vous mettre dans la vidéo comme... Oula. Un repère sur ma canne et je vais voir comment il fait. Là. Du calme. Là, on va dire un peu plus qu'à mon... Vous voyez du coup, merde attendez, du coup je prends le repère sur ma canne, hop, il est juste après le petit truc en métal, hop, là je sais que sur ça fait 50 cm la baoule, hop.
quoi, il doit faire 35-40 là minimum. 40 moi je dirais. Et il est magnifique. Magnifique petit, magnifique gros basse. On a une petite photo quand même. Il peut résister un peu. Ouais. De toute façon ça c'est 3 heures. Ouf, oh putain, il a plus de gens. Oh là là, il va vite. Hein. Ouais, il est reparti. Ouais, chouf chouf. Tac. Impeccable. Impeccable, il y a plein de black bass dans ce secteur là aujourd'hui. Voilà, c'est impeccable. Ah bon, du calme. Hop, encore petit black bass. Hein. Petit. Ah, dommage que j'ai pas de règle. Petit black bass là encore. Vous avez les petits, je sais pas où il doit faire 25. Ce petit black bass, il fait plaisir. Allez hop, petite remise à l'eau, hop, et impeccable. Remis pile poil la gueule en avant. Donc là, franchement, la stratégie payante, là, un petit hameçon en drop, un petit hameçon wacky, avec un petit verre, un petit pot, et hop, on va prendre. Oui, il y a une espèce de déversoir, je sais pas pourquoi ça, c'est pas assez étanche. Et c'est impeccable parce que ça forme un endroit d'oxygène pour les poissons. Donc peut-être que c'est grâce à ça que j'arrive à faire ces poissons-là aujourd'hui. Mais ça régale. Encore beau. Encore un loupé. Dommage. Oui, 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 oui. Ah oui, encore une belle perche. Ah oui, je suis trop content. Oh, laisse tomber. Laisse tomber comment ça mord bien ici. Regarde-moi ça, cette belle perche. Attends, faut pas qu'elle bouge de trop. Regardez-moi cette perche. Comment elle est magnifique. Oh, incroyable ce poisson. Incroyable, mais vraiment. Regardez-moi cette couleur. Oh là là. Elle est trop belle. Petite perche de 30-35 là. 30, je pense. Regardez-moi le poisson là-bas. Il y a un poisson, ça va être un rotangle qui se fait attaquer. Mais propre. Bon là. Bon là j'ai pas le choix les gars, remise à l'eau ici, on va essayer de faire ça propre. C'est pas forcément évident les remises à l'eau, hop, ça va, elle est pas mal tombée, elle est repartie aussitôt. Franchement, impeccable. Ah vous voyez, regarde, hop, poisson. Ouais, ouais, impeccable. La petite perche qui fait plaisir. Bah merci beaucoup hein. Ouais. Ouais, pas de soucis. Bonne journée.
Merci. Bon là on discute avec le monsieur. J'ai fait un beau petit poisson. D'ailleurs il s'est fait à moitié à manger auparavant, ça se voit sur le côté. Mais ouais, une belle petite perche. Allez hop, encore remise à l'eau. Tac. Impeccable. Tête en avant. Que demander de mieux. Bon, comme vous pouvez le voir, la petite stratégie était payante. Au niveau du drop shot avec un hameçon wacky pour mettre un vert plutôt que un rock vibe en coloris magic. En coloris magic, j'ai fait un poisson avec. C'est déjà pas mal, j'ai eu une touche aussi. Mais là, aujourd'hui, vraiment, ce qui était mieux, c'était vraiment le vert quoi. Enfin, ça soit une imitation ou un vert. C'est sur ça que ça prenait aujourd'hui. Donc déjà c'est déjà top. Bon la famille, on se retrouve sur une fin de vidéo. Toujours avec la capuche parce qu'il y a un vent de fou, c'est aberrant. Du coup plein de poissons. Mais vraiment c'était vraiment une session incroyable. J'ai fait du petit black bass, j'ai fait de la grosse perche, de la petite perche. J'ai fait un énorme black bass. Après c'est pas mon record mais je pense qu'il devait être autour de 40. Je vais le mesurer tout à l'heure et vous allez le savoir dans la vidéo au même moment que je le pêche quoi. Je vais le mettre en titre, en sous-titre quoi. J'espère que vous aurez kiffé cette vidéo. Donc sur ce, tchuss la famille. Tchou.